was 17 long years. On s'était habitué aussi à un public qui était hyper fidèle, qui venait de plus en plus nombreux. Et c'était vraiment presque un rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont rencontrés là-bas, qui sont devenus potes, qui sont devenus inséparables, et c'était leur rendez-vous une fois par mois, on allait au Folk Review, et même pour moi de retrouver toutes ces têtes que je connaissais pas forcément au départ, mais qui finissent par être des têtes familières, c'était hyper plaisant, et ça a vraiment créé un truc presque social en fait, et qui était hyper intéressant, parce que comme c'est une musique qui est basée sur ça, sur le social, et de se rendre compte que ça fédérait quelque chose et que ça générait quelque chose, c'était génial. Saturnight Folk Review est un projet né dans les bars en 2016. À l'origine, c'était un rendez-vous mensuel, une sorte de café-concert-conférence sur le folk, où chaque épisode se concentrait sur un artiste en particulier, une période ou un thème choisi. Après 3 saisons et 27 épisodes, j'ai eu très envie de revenir aux sources de cette musique passionnante et d'en faire une mise en scène. Les origines du folk, du Mayflower à Greenwich Village, est aujourd'hui 1h30 d'histoire et d'anecdotes en chansons, allant du blues au gospel, en passant par les shanties et autres work songs, dans son contexte politique, social et géographique, jusqu'à devenir le folk. C'est une musique qui me touche énormément, que j'ai toujours aimé, et plus je l'ai... Plus je l'ai écouté, plus j'ai découvert des disques en fouillant, plus j'ai découvert des artistes, plus ça m'a passionné. Et en fait, je triche un peu parce que je monte un spectacle sur un truc dans lequel je suis archi passionné. En fait, voilà. Ce sont des chansons simples, des chansons qui racontent des choses toujours hyper importantes. You see how many years can a mountain exist? Avec l'écriture de Dylan dans les années 60 qui arrive, où là on rajoute une vraie poésie moderne, enfin une poésie moderne, lui il est allé puiser chez Rimbaud et compagnie, mais à cette époque-là, en 61, ça paraissait moderne de mélanger cette vieille chanson, cette vieille musique tirée du folklore pour en faire quelque chose de très poétique et très moderne, où les étudiants de l'époque raffolaient de ça, parce que c'était mettre des textes extrêmement élaborés, intelligents, sur une musique extrêmement simple. Les esclaves faisaient déjà ça, sans qu'on s'en aperçoive, les musicologues galéraient à comprendre ce qu'ils chantaient, mais parce que tout était imagé, ils donnaient des noms au soleil, mais c'était pas pour... Que par superstition, c'était aussi pour brouiller les pistes. Ils pouvaient comme ça chanter des chansons de liberté, de dire que le patron des champs de coton était un vrai salopard, et ils pouvaient le chanter devant lui sans même qu'ils s'en aperçoivent, parce qu'ils avaient leur code à eux. C'est plus qu'un moyen d'expression, c'est presque un moyen de communication. Ils pouvaient communiquer entre eux en chantant. C'est une musique qui a accompagné tous les mouvements sociaux importants, la lutte contre l'esclavage, les droits civiques. Je trouve que c'est une musique qui est forte pour que l'être humain soit un peu meilleur, en fait. Je crois qu'elle a contribué à ça, réellement. Le mot folklore, en fait, le mot folk veut dire peuple, et lore veut dire la connaissance. Donc le folklore, c'est ce que le peuple connaît, la connaissance du peuple, et c'est une transmission orale. On se partage les chansons, on s'échange des tas de choses, des poèmes, et c'est comme ça que le folklore existe, et chaque pays a son propre folklore. Et puis il y a des chansons qui sont très importantes aussi dans les luttes, justement, où c'est des chansons qui ont accompagné vraiment. Une chanson comme We Shall Overcome, par exemple, qui est un vieux traditionnel qui a été écrit, réécrit, remanié, et c'est Pete Seeger qui, lui, l'a remis au goût du jour dans toutes ces luttes. Et c'est une chanson qui est devenue presque un hymne pour tous les gens qui étaient opprimés, oppressés par le gouvernement à cette époque-là, et la police. Et, donc c'est des chansons qui sont devenues des hymnes, donc c'est hyper important, quoi. Someday we will... My home.
fait qu'on s'en sert pour fabriquer une nouvelle musique qui apparaît dans les années 30-40. Mais on ne donnait pas ce nom de musique folk avant les années 30-40, ça n'existait pas. Et c'est la Grande Dépression, la crise de 29, qui a fait qu'on s'est servi de toutes ces chansons-là pour à nouveau chanter des chants contestataires, ce qu'on appelle des protestons, en fait. Voilà. Donc ça a à nouveau servi de chansons de lutte. Et tous les grands mouvements, ce qu'on appelle les revival folk, à chaque fois sont des moments où, dans le pays, ça ne va pas du tout. Et on se sert à nouveau de ces chansons-là pour dire qu'on n'est pas content. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. Someday. Et puis on l'a à nouveau dans les années 60, quand il y a toutes les émeutes, les droits civiques, Martin Luther King, les assassinats. Ou à nouveau, là, on a des chanteurs folk qui reviennent, qui vont récupérer des vieilles chansons folk et qui les mettent au goût du jour, avec l'actualité 1960. Donc il suffit de changer des fois un mot dans une chanson qui a 100 ans pour qu'elle devienne extrêmement moderne. Et puis il y a une partie de la population afro-américaine après qui s'est blanchisée. Donc c'est-à-dire qu'eux ont créé le négro spirituel où là du coup on applique la Bible à la lettre. On chante des chansons qui sont vraiment... Il n'y a pas d'idée personnelle dedans, on ne modifie pas les paroles d'évangile, on les chante et c'est tout. Alors que le gospel... On fait semblant de chanter des trucs un peu Dieu et tout ça, mais en fait, on parle que de soi en disant vivement que je sois libre et vivement que le petit blanc il me laisse tranquille et qu'il ne me fasse pas fouetter tous les soirs en rentrant du boulot. Donc c'est deux choses vraiment, vraiment différentes. Et les work songs, c'est un peu du gospel, sauf qu'on chante des chansons qui n'ont pas forcément un sens très important. C'est juste des chansons pour s'aider à travailler. On balance une phrase comme ça, une personne balance une phrase et les 30 personnes autour de vous répètent cette même phrase. Et puis on chante des phrases qui aident au mouvement du travail, tout comme les chantis, qui sont des chants de marins qui existaient en Écosse, en Angleterre, en Irlande. Où c'est pareil, pour ramer, ou les ramins pour travailler, ils chantaient des chansons qui n'avaient pas toujours de sens, mais ça permettait d'être tous ensemble. Parce que les Irlandais avaient cet avantage que ce soit ancestral chez eux de chanter une chanson pour tout le temps. Bonjour, ça va? Non. Oh, ben tiens, on va se faire une chanson. Ça va pas, ça va pas. Ça va bien? Oui. Oh, ben une chanson, ça va bien. T'as soif? Non, oui, on buvait un coup quand ils étaient bourrés, quand il y a le mec qui va se marier, oh ben on fait une chanson sur le mariage. Les chansons irlandaises, on en trouve à toutes les sauces de tout partout. Pay me my money down, tomorrow or the selling day. Pay me my money down, as soon as the boardwalk clear of the bar. Pay me my money down, the captain knocked me down with a spar. Pay me my money down, hey. Le blues est un dérivé de gospel et de work song, en fait, où là, on est dans une misère extrêmement personnelle. C'est-à-dire que les bluesmen n'étaient pas du tout dans quelque chose de social et de large. C'est-à-dire un peu chacun pour sa peau, parce que même entre eux, ils étaient d'une dureté absolue. Donc là, on chante des chansons sur sa propre misère, c'est tout chanté à la première personne. Et on dit souvent que la différence entre le gospel et le blues, c'est que dans le négro spirituel, on dit Jesus, alors que dans le blues, on va dire baby, on va le remplacer par baby. Donc il n'y a plus du tout de notion de on est tous ensemble, on galère, ou au contraire, ça va aller mieux demain. On est dans un truc extrêmement personnel. He died on the road. Never had enough money to pay his room in warm or cold. Moi j'aime l'idée que les chansons de Brel ou de Renaud à une époque pouvaient défendre des idées immenses, de défendre des droits contre l'homophobie, contre tout ça, avec des chansons très douces et très belles et qui faisaient juste réfléchir ne serait-ce que 5 minutes. On n'a pas toujours besoin de se faire gueuler dessus pour qu'on comprenne. On peut nous le dire aussi en douceur, et la musique folk, elle a ce truc-là, quoi.
child.